m'appelle Adoum Amsini, chargé qui présente tous les festivités de Dari. Nous sommes du région de Moyé-Kébi Est. Celui-ci également, c'est un Nas, qu'on appelle ça Arun. C'est les femmes qui utilisent ça pour donc, la pêche dans le bas-fond. Dans le bas-fond, il y a le poisson qui passe là, donc la femme l'a fait comme ça. Quand ça passe là, quand elle attrape là, c'est même la mettre dedans, maintenant pour sauter. Et puis mettre dans la tasse, comme ça. C'est aussi mieux, parce que quand on parle des objets prohibés là, vous voyez. Vous voyez qu'il vit, on se marie à plus de femmes. Parce que quand il y a beaucoup de femmes, c'est aussi la richesse. On vous donne beaucoup d'enfants. Quand une famille est nombreuse, ça fait aussi la force, non? Quand l'ennemi vient, même la peur. Donc voilà, ça c'est une construction d'un chef, Moussigoum. Cette case-là, la maquette de celle-ci. Vous voyez? Donc ça, c'est un moment pour la grande femme. La grande femme est là. La seconde. La troisième, quatrième, etc. Et l'homme maintenant, lui, il est à l'entrée. Ici, c'est quoi? C'est un grenier. Grenier, ça lui sur quoi? Ça lui sur la banque céréalière, non? Une famille qui n'a pas un grenier. Les enfants vont fuir parce qu'il y a la famille. Ici, c'est le tambour. Tambour, n'est-ce pas? C'est pour les danses. Ici, c'est la guitare. Dans tout le comité, il y a la guitare, non? Quand on est content, on peut composer une chanson et puis accompagner de la guitare. 2200%, Gambele Zengue, 2200%, voilà. Ici, ça c'est un objet, un peu, qui permet entre le comité, non? Le plus fort, moi c'est le plus faible. Le plus faible devient donc son esclave, non? Donc maintenant, à un moment donné, il faut se défendre. Et comment? Et avec ça, quand vous portez en guerre, là, c'est ça. Donc vous utilisez ça, c'est pas. Le type en face, là, il faut lancer la flèche, il faut l'étendre comme ça. Quand ça vient, ça ne rentre pas. Celui-ci, comme j'avais dit autrefois, le plus fort pour le plus. Quand vous portez en guerre et que vous avez vaincu l'ennemi, vous revenez avec du butin, non? N'est-ce pas? Maintenant, le butin n'est pas que le butin, bon. Esclave, ne pas qu'il fuit, vous mettez son pied dedans. Donc, en quelque sorte, une prison. De deux, c'est aussi pour lutter contre l'ennemi. Vous pouvez être dedans, donc, si l'ennemi arrive là, vous pouvez fermer comme ça et puis. Hein? Donc, ça aussi, c'est la forme de ce truc là. Donc c'est aussi pour vous défendre. Vous êtes là avec votre harpon ou bien je sais pas, vous défendez. Si ça, il vous dépasse, vous fermez la porte. Vous fermez. Allez, Ménique, tiens un couteau. C'est bon? Voilà. Donc c'est également une stratégie guerrière.